Vous pouvez éteindre Moon Martin en direct du Palace avec le groupe qui l'accompagne, avec une énergie absolument super sur la scène. Moon Martin avec les Ravens qui l'accompagnent sur la toute petite scène du Palace. Je suis juste derrière eux, en direct sur Inter, dans Loup-Garou et dans Feedback. We'll be right back.
Cadillac Walk, Moon Martin en direct du Palace. On peut dire que c'est avec cette chanson que tout a commencé il y a à peu près 2 ans. Une chanson écrite à l'époque pour Willie DeVille. Thank you.
Deeper into Love, Moon Martin en direct du Palace. Voilà, ils sont venus, les papas, les Beatles. Cette fois, c'est Moon Martin qui les chante. Please, please me, un super classique. The album's called Escape from Domination. And this song's about a girl that's gun-shy. Gun-shy.
is gonna shine. Gonna shine. Gonna shine. Gonna shine. So sensitive, spread my heart in two. But I got a reason, I'm feeling this way. I got a reason, and I'm gonna make you obey. Spears of lightning, where they broke down from the sky. Just in story of life. Well, I got a reason, I'm feeling this way. I got a reason, and I'm gonna make you pay. Like a shining fire at night. I can't believe it hurts so much. It's gone out from my sight. But I got a reason, I'm feeling this way. I got a reason, and I'm gonna make you pay. Reason.
fantastique version live de ce morceau qui s'appelle I Got a Reason, qui est sur Escape from Domination, le deuxième album de Moon Martin, qui est accompagné par les Ravens. Jude Cole à la guitare, Danny Croy à la basse et Rick Croy à la batterie. C'est lui qui a joué ce fabuleux solo lui-même, Moon Martin, de guitare dans I Got a Reason. Voilà une nouvelle chanson. This one's for you. When I was just a kid, you know the king was Mr. D. Used to drive a continental around a university. I remember Sonny's Eldorado Cadillac. Ooh, chicks was faint, all the guys were jumping back. I used to think luxury was cheap, but rock and roll. Si Moon Martin vient de s'acheter une Rolls Royce, mais ou si ça reste encore un rêve d'adolescent, mais c'est le titre d'une nouvelle chanson qu'il vient de composer. Baby.
Dynamite, Dynamite, Mr. Dynamite sur la scène du Palace. Patrice, je crois qu'il va y avoir des informations, non? Oui, dans exactement 35 secondes. Alors, bon. C'est vraiment le bol, là, exactement. On a raté une version fantastique de Heartbreak Hotel, mais c'est pas grave, elle sera enregistrée et rediffusée dès lundi, c'est promis. Et on se retrouve tout de suite après les informations, bien sûr. Alors, t'es fidèle au poste, tout de suite après, on retrouve Moon Martin. En attendant, eh bien, comme il est pratiquement 9h, on va pas hésiter, pas de quartier. 9h moins 15 secondes, vous écoutez France Inter. La suite du concert de Moon Martin, ici en direct du Palace dans Feedback, dans quelques secondes, juste après les informations présentées par Jacques Chabot. Il est juste 9h. Eh bien, rapidement, les derniers télégrammes de la soirée, avant de retrouver Bernard Lenoir et Feedback, donc en direct au Palace. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé tout à l'heure, à l'unanimité, de demander aux autorités iraniennes la libération des otages retenus à l'ambassade américaine à Téhéran. En attendant, la tension monte aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, des passants ont pris violemment à partie à Washington des étudiants iraniens qui défilaient dans la rue pour demander l'extradition du Shah. Des hommes et des femmes ont crié aux étudiants iraniens « Libérez les Américains, gardez votre pétrole et fichez le camp ». La cour d'assises de Paris a condamné ce soir José Varanda, un lycéen de 20 ans qui avait tué un rival du même âge, à 5 ans de prison, dont 51 mois avec sursis. Comme l'accusé a déjà purgé 9 mois de détention préventive, il ne retournera pas en prison. La cour d'appel de Paris a ordonné la suppression de plusieurs scènes du film « Le pullover rouge ». Les magistrats ont estimé que l'appel de la famille Rambla était partiellement fondé. Je vous rappelle que ce film retrace l'affaire Ranucci, c'est-à-dire le meurtre de la petite Marie-Dolores Rambla, âgée de 9 ans, et la condamnation puis l'exécution en 1976 de Christian Ranucci. Dans ces conditions, le film est devenu inexploitable, a déclaré tout à l'heure l'avocat du réalisateur Michel Drac. Enfin, l'état de santé de Jean Béranger, directeur de l'équipe masculine de ski français, n'est pas alarmant. Après l'accident d'automobile dont il a été victime près de Grenoble. En revanche, Jean-Louis Rambla, qui était au volant, a été plus sérieusement atteint et le pronostic des médecins est, disons, plus réservé. Françoise Morasso, il vous reste 20 secondes exactement pour la page pratique. Oui, nous sommes pressés de retourner au Palace. Je vous rappelle donc deux choses très rapidement. À partir de demain, la vignette auto sera en vente dans les bureaux de tabac signalés par une affiche verte. Et demain, dernier jour, où vous pouvez faire effectuer un autobilan gratuit de votre voiture dans les centres de la prévention routière de Paris et de la région parisienne. Toute précision au 524-1515, demain à partir de 9h. Et puis il y a des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai le résultat de la première dans laquelle tous les chevaux ont couru. Premier le 114, Kérémiette, gagnant 4,80 francs, placé 2,20 francs. Deuxième le 109, Casseline, 4,20 francs. Et troisième le 103, Gadinette à tout, 2,30 francs. Les prochaines informations à 22h avec Alain Chalvron. En direct du Palace, Feedback, voici Bernard Lenoir. Bernard Lenoir et surtout Moon Martin, Rollin, en direct du Palace.
Rolling, Moon Martin, une de mes chansons préférées sur son deuxième 30 cm. Thank you.
got a bad case of love for you. Inutile de vous présenter ce morceau, vous l'avez tous reconnu, Bad Case of Loving You, Moon Martin qui sort de scène, il est absolument en nage, toujours avec sa petite chemise noire qui commence à lui coller au corps. Moon Martin and the Ravens, c'est le nom du groupe, trois musiciens qui l'accompagnent, Jude Cole et les deux frères Croy. Je signale aux demoiselles que le petit batteur, qui s'appelle Rick Croy, est très 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 mignon. Moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout ce genre de choses, mais... J'ai gagné mon pari. J'avais parié à cette bête, qui a eu la bonne idée de faire venir Moon Martin pour la première fois à Paris au mois de février dernier. Au prochain concert de Moon Martin, le Palace serait plein. Et il est plein à craquer. Il n'y avait plus une seule place de disponible ce soir. J'ai l'impression que tous ceux qui sont venus au Palace ce soir n'ont pas du tout l'intention de laisser Moon Martin sur ce Bad Case of Loving You. Le revoilà. Au petit trot, il vient de remonter sur scène. Le délire. Did somebody say dangerous? You've been a man.